Alors, quel est votre avis sur cette fête médiévale? L'avis, moi, enfin, je suis un habitué, je suis là tous les ans. C'est toujours aussi bien, il y a plein de gens sympas, des exposants de relativement bonne qualité, donc voilà, on aime bien. D'accord. Alors, et vous êtes déguisé, alors dites-moi pourquoi? Moi, je suis pas vraiment déguisé, en fait, c'est lui qui m'a prêté ses habits, sinon, ouais, je me suis juste fait faire les oreilles, quoi. Ah. C'est tout. D'accord. Ouais. Vous êtes bien amusé? Oh, oui, très bien, c'est très très chouette. D'accord. Ouais. Vous revenez l'année prochaine? Oui, sûrement, mais avec une belle robe. D'accord. Merci. De rien. Bonjour. Oh là là. Bonjour. Bonjour. Alors, vu que vous êtes déguisé, alors parlez-moi un peu de votre impression sur cette fête médiévale. Oula, c'est un peu. C'est l'une déjà les plus belles que je connaisse. Beaucoup de personnes costumées et ça vaut le coup de venir voir cette fête. Depuis combien d'années vous venez, vous participez? Pour celle-ci, c'est notre première fête médiévale, mais d'habitude, ça fait 3 ans qu'on fait du médiéval. Là, c'est la première fois, on a fait 3h30 de route pour revenir. 3h30 de route? Et vous êtes très satisfait? Oui, très bien. C'est la plus belle que je connaisse. Alors madame, qu'est-ce que vous allez dire aux jeunes qui souhaitent être à la hauteur de cette grande fête? Moi j'aimerais bien que tout le monde se déguise aussi, ce costume, c'est super pour revenir dans l'ancien temps, quoi, finalement. Ouais, ouais. Mais c'est formidable. Moi je sais que j'ai fait ça depuis 3 ans et puis je continuerai. Et j'irai partout où je peux, j'y vais. Merci beaucoup. Et de rien. Au revoir. Au revoir. Ces drôles de personnages qui décident où ils vont, ce qu'ils font. Attention à mes boutons. Les mandalas, s'il vous plaît, pour la première fois en province. Les mandalas sont en mandalassien. Pardon? C'est Sénégon. Sénégon, mais tu es... Ça fait bizarre de regarder ici, pardon, excusez-moi. Il a passé le week-end à VAD. Petite caricature, est-ce que tu peux commencer? Franchement, je te laisse là, tu continues. Et tu passes et je continue avec... Pardon? L'enchanteuse, je l'ai ici. S'il vous plaît, l'enchanteuse avec son superbe... Pardon, tu fais des maquillages. Des maquillages de la magie. Maquillage et magie. L'enchanteuse, s'il vous plaît. Défiez-vous, elle pourrait vous enchanter. Il nous arrive... Le lion, avec un petit truc comme ça. Et vous êtes l'atelier de Lucarius, marionnettiste, s'il vous plaît. Et un grand bravo pour la petite marionnette qui s'est tapée tout le défilé. Bonsoir. Bonsoir. C'est vrai, pour cette année, la fête médiévale, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire à propos des compositions que vous avez jouées à l'occasion de cette grande fête? Que j'ai rendu hommage à Magalis, déjà, avec fierté. Et surtout en hommage au Saïvan et tout ça, parce que c'est eux qui m'ont fabriqué ma cornemuse. Et pour ça aussi, je les remercie. Cela fait combien d'années vous faites cet instrument? Ça fait depuis beaucoup d'années, oui. Parce que j'ai pris des cours de solfège, je fais la musique depuis très longtemps, depuis toute petite. On peut dire, c'est vrai, vous êtes très courageuse. Est-ce que c'est aussi une passion? Oui, c'est une passion. C'est une passion que je vais en faire mon métier. Qu'est-ce que vous souhaitez dire aux jeunes qui pratiquent et puis qui ont du mal à arriver? Dire aux jeunes qui pratiquent et surtout qui continuent, qui jouent de la flûte avec et qui aiment cet instrument, qui continuent. Parce que quand on joue à la flûte avec, on commence déjà par la flûte avec avant de commencer à la gaite. Voilà.
Et c'est très bien parce que c'est vrai que la gaite, c'est très bien, mais il faut vraiment aimer déjà jouer à la flûte avant parce que sinon c'est pas possible. Depuis combien d'années vous faites la musique? Depuis toute petite. Voilà. Depuis toute petite. Alors qu'est-ce que vous souhaitez dire à ce public? Comment? Qu'est-ce que vous souhaitez dire à ce public? Je sais pas comment dire. Parce que franchement je suis émue et je ne m'attendais pas à avoir un si grand public. Alors. Par hasard, hein, on m'a invité, je suis venu. C'est quand même une chose extraordinaire puisqu'on se retrouve au milieu de quantité de choses historiques. C'est assez rigolo quand même, ma foi. Hein. Ouais. Vous êtes très content? Absolument. Hein. Voilà, on voit du monde qui vient de partout, c'est rigolo quand même. Même voire de toute l'Europe. Ouais, et d'ailleurs, puisque vous êtes... Eh ben voilà, donc on a même entendu Haïti. C'est vrai, pour vous rappeler ici, on va dire il y a au moins une cinquantaine de nationalités. Comme j'ai déjà fait des interviews, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont déplacés de loin pour venir voir ce que c'est vrai, la grande fête médiévale. Oui, ben moi je leur remets le grand bonjour, en tout cas du sud-ouest de la France. Hein, et je dis bonjour et bienvenue à tous ces gens qui sont venus d'ailleurs. Hein, et bravo, merci. Monsieur Marion, merci et bon courage. Grand plaisir. Bravo. De joue-tapier qui a eu lieu et qui sera récompensé juste après. Donc merci s'il vous plaît pour la Messie du Montferrand. Ils sont suivis de la compagnie d'arc de Provins qui organise le concours de tir à l'arc également qui a été terminé tout à l'heure et dont les prix seront remis juste après le défilé. Vous pourrez rester pour y assister. Et d'une compagnie du 14e et 15e siècle, ils sont provinois. Merci s'il vous plaît pour la compagnie d'arc de Provins. Attention s'il vous plaît, ils nous viennent d'Italie, du nord et du sud, mais pas du milieu. Ils font de l'extrême folk music et Bavarian Pipe Band. Théo Valdus, vous faites quoi?
Pardon ? Du théâtre de rue. Du théâtre de rue, on a beaucoup parlé. Mais si, on s'est vu tout à l'heure. Voilà, association Preminoise. Également, je vous ai pas dans le bonheur. Et vous êtes encore dans la rue ? Rue de l'Ormerie, un dernier spectacle à quelle heure, hein ? À 18h. À 18h du soir, juste après, c'est parfait. Et petite crêpe, et après, on va Théo Manu, s'il vous plaît. Bonjour Saint-Denis, pour ceux qui n'auraient pas entendu. Non, t'as les mains dégueulasses. Non, merci, ça va aller. Oh, il y a des pieds. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Lis. Oh. 1h30 de dessinée en dansant, s'il vous plaît. Ça, je mérite. Bonjour. Bonjour. Et monsieur Jean-Louis ? Voilà, Louis Laurent. Alors, parlez-moi de votre stand dont il y a beaucoup d'acheteurs. Je vois que, je rappelle, on est toujours à la fête médiévale de Provins. Comment vous faites pour occuper ce stand ? Alors écoutez, déjà que j'ai été invité, j'ai eu l'occasion de rencontrer monsieur le maire aussi, donc monsieur Jacob, et aussi Gauthier et Louis qui m'a proposé donc de venir ici. Et éventuellement, je suis venu avec présenter mon concept sans beurre, sans lait, sans œufs. Donc c'est des produits donc sans matière animale. Voilà. Depuis combien de temps vous faites ce concept ? Alors ce concept, il a commencé depuis donc 3 ans et demi. Et aujourd'hui, j'ai donc l'occasion de le faire un petit peu découvrir un petit peu partout dans le monde. Où j'ai voyagé l'année dernière en Israël pour faire découvrir ce concept qui existe maintenant depuis 3 ans et demi. Voilà. Et c'est moi-même qui est donc créateur de ce concept. D'accord. Depuis combien d'années vous participez à cette grande fête médiévale ?
C'est la première fois et pour moi c'est un honneur d'être ici et je vois que les gens sont très agréables et le fait d'être costumé aussi me permet aussi vraiment de redécouvrir un peu le Moyen-Âge. D'accord. Alors le mot, je sais que vous êtes très pris, vous avez beaucoup de gens qui viennent participer puis admirer surtout ce que vous faites. Alors qu'est-ce que vous souhaitez dire aux gens qui regardent et puis qui suivent, c'est vrai, cette grande fête? Eh bien écoutez, en tout cas je leur dis déjà, bon c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un temps plus vieux, mais nous sommes heureux d'être ici, moi-même le premier. Et aujourd'hui ce que je peux leur dire aux personnes qui viennent dans cette fête médiévale, c'est tout simplement de leur faire découvrir, de faire passer un message. Ce message c'est de réapprendre à manger sainement. Et c'est pour ça que je me bats, donc j'ai créé une association. Et j'invite beaucoup de personnes à prendre conscience qu'on peut manger sans produits animal. Donc on peut manger que des végétaux. Voilà, sans beurre, sans lait et sans œufs. Vous avez donc les cakes au raisin, la pizza, les flûtes, la brioche aussi, végétale. Et tous ces produits donc sont des matières donc végétaux. Voilà. C'est où on peut vous contacter? Alors, à Montreuil. Je suis donc à Montreuil, donc je me trouve donc sur vers la place de la République. Et soit à Ernest Savard aussi, je fais des centres de formation. Et je suis donc à la fois formateur, indépendant, agréé et aussi artisan. Voilà. Donc ça se trouve du côté de la place de la République à Montreuil. Merci beaucoup Monsieur Jean-Louis et puis félicitations, bon courage. Eh bien écoutez, merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance et toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début. Donc je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Bonsoir Monsieur le maire. Bonsoir. Alors qu'est-ce que vous souhaitez nous dire à propos de cette grande fête dont vous êtes l'investigateur? Bah écoutez, c'est un formidable rassemblement pour province. C'est entre 80 et 100 000 visiteurs qui viennent sur un week-end. Et c'est la traduction de l'esprit de province, c'est-à-dire à la fois ce site extraordinaire. On a la chance d'être la seule ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO dans son intégralité. Et puis cette grande manifestation qui rassemble des troupes venues de toute l'Europe, mais aussi beaucoup d'associations locales. C'est dans l'esprit du Moyen-Âge, des foires de mai et des foires de novembre aussi, mais là on est dans le cadre des foires de mai, donc l'ouverture de ces grands rassemblements européens où les marchands venaient de Bruges, de Liège, venaient d'Italie également, venaient d'Espagne, venaient d'un peu partout en Europe pour échanger, pour vendre aux portes de Paris. C'est vrai, on voit qu'il y a beaucoup de nationalités, on va dire à peu près une vingtaine. Comment vous faites dans l'organisation pour synchroniser? Ça, c'est une organisation qui se prépare un an à l'avance avec plus de 300 bénévoles qui sont mobilisés sur cette manifestation. Et puis surtout, tous les Provinois qui jouent le jeu, parce que si la population ne joue pas le jeu, ça ne marche pas. On voit qu'une dernière question, parce que vous êtes très prise, on voit que comment la ville de province est devenue une ville très luxueuse. Quels sont vos projets d'avenir pour cette ville? Oh, écoutez, c'est de continuer comme nous sommes partis, c'est-à-dire à la fois d'entretenir notre patrimoine, de le restaurer, parce que province c'est d'abord l'authenticité, et puis au-delà du patrimoine, c'est toute cette animation qui se fait autour des bénévoles, des associations qui s'engagent pour faire vivre la tradition et la culture de notre ville. Merci beaucoup Monsieur le maire. Médiéval de province, j'ai avec moi Jean-Marc Georges qui est l'animateur, qui s'occupe de l'animation de la ville de province. Alors il va nous dire bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Et en collaboration avec Madame Guéraud qui est là, qui est donc la responsable de la fête médiévale, la déléguée du maire. Un an avant, on nous donne un thème, quand on me donne un thème que choisit Madame Guéraud, et j'ai un an en collaboration avec Madame Guéraud pour travailler sur le thème de Provins. Donc je choisis en collaboration toujours avec Madame Guéraud tout ce qui est les troupes, tout ce qui est les groupes de musique, tout ce qui est les compagnies guerrières, les échassiers, tout ce que vous avez vu donc pendant le défilé. Et ça demande, je ne sais plus combien de réunions Madame Guéraud en fait, au moins une vingtaine de réunions. Oh oui,
et ça demande un temps de travail qui, je ne peux pas chiffrer en heures, mais qui est énorme. D'accord. On voit que c'est vrai, c'est qui est énorme, ce qui est plus important que ça, parce qu'on voit que il y a d'autres pays, c'est vrai, de l'Europe qui participent, et on aimerait savoir comment vous faites pour arriver à les contacter, tout ça. Alors, moi, je fais ma 38e année de médiéval. J'ai commencé à 14 ans dans le médiéval. J'ai travaillé dans, on va dire, l'Europe entière en tant que médiéviste. Donc, je connais énormément de gens. J'ai un répertoire, j'ai un book où j'ai des échassiers, des musiciens, des gens qui font du théâtre, etc., qui représentent plus de 50 000 personnes. Donc, ça me permet d'avoir des contacts. J'ai toujours des contacts parce que je suis toujours là. Je suis sur la casquette organisation, donc avec la mairie. Mais je suis aussi toujours intermittent du spectacle. C'est-à-dire, j'ai toujours des animations médiévales parce que je suis à la base un intermittent du spectacle. Une dernière chose, c'est que vous êtes très pressé en cette grande journée. Mais surtout, comment vous ressentez l'enthousiasme de voir que province, ville et patrimoine de mondial, quand on voit province, tous ces visiteurs qui sortent de loin pour venir assister, comment vous sentez l'enthousiasme? Pour moi, déjà, province, je suis venu y habiter il y a 22 ans. J'habitais du côté de Versailles, pareil, une ville où il y a un beau château. Mais moi, faisant du médiéval, j'ai choisi de venir habiter à province. Il y a 11 ans de ça, Madame Guiraud m'a demandé de gérer la fête. Donc, moi, le plus grand plaisir, c'est de voir tous les gens qui repartent avec un sourire et à savoir que tous les ans, on augmente le nombre de personnes qui viennent à la fête. Elle est devenue certainement une des trois plus grosses fêtes d'Europe et certainement la plus grosse fête de France. Et voilà, c'est ça qui... Ça, on va dire, c'est mon salaire. Voilà. 13e siècle. C'est vrai, Provins revit. Et on voit qu'il n'y a que cette fête, mais on voit la ville de Provins est devenue aussi une ville, c'est vrai, très luxueuse. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire là-dessus? Eh bien, ce que je peux dire, c'est qu'au fur et à mesure, le programme de la ville, c'est que chaque année, nous faisons des restaurations de monuments. Bon, vous savez qu'on a un architecte, évidemment, des monuments historiques. Et chaque fois, notre but, c'est de faire, de restaurer ce patrimoine. Mais en même temps, ça ne suffit pas maintenant. On veut également l'animer, le faire revivre. Donc, les fêtes médiévales, c'est évidemment notre plus beau joyau. Mais on a également d'autres très, très belles manifestations, comme on va avoir les lueurs du temps, le premier week-end de samedi et de dimanche, par exemple, où l'électricité n'est plus là et on a des milliers de bougies partout. Donc, vous voyez que notre patrimoine, nous en sommes extrêmement fiers. Donc, le restaurer, le faire revivre, tel est le but de la ville de Provins. D'accord. Alors, je sais que vous êtes très prise. Le mot de la fin, qu'est-ce que vous avez dit à cette population, on va dire les Provinois? Qu'est-ce que vous allez leur dire en mot de la fin, en conclusion de cette fête? Eh bien, il faut savoir que cette fête, c'est la fête des Provinois. Ils se l'approprient également. Et ce que je retiendrai de cette fête, c'est que c'est une très, 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 très belle fête. Nous avons des remontées excellentes. Et cela, nous le devons à tous ceux qui travaillent avec nous. Et je pense que tout le monde, ce soir, malgré la pluie qui arrive, est content. Juste devant le centre de presse de Provins à la fête médiévale. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Je crois que vous venez de Belgique pour participer à cette grande fête. Oui, nous venons de Arlon, donc province de Luxembourg, le sud de la Belgique. D'accord. Et vous? Je viens de Reims. Ah, de Reims. D'accord. Comment vous avez ressenti cette fête? Très bien, c'est une fête agréable. C'est la première fois que je venais. Vous vous êtes bien amusé? Ah oui, pour s'amuser, on s'amuse toujours, puis on est bien accueilli. Et bon, le public est sympa, participe, donc voilà, c'est une bonne fête. Qu'est-ce que vous souhaitez dire à vos amis, c'est vrai, de Belgique, qui regardent qu'avec cette télévision? Eh bien, à tous nos amis de Belgique, il faut venir à Provins, faire la fête et venir écouter les nombreux groupes de musique qui sont présents sur la fête de Provins. D'accord, et vous, pour les amis de Reims? C'est très agréable, on a passé deux jours... Super, avec la météo un peu de pluie aujourd'hui, mais sinon beau hier. C'était... Voilà, je pense que vous avez compris. Bon, c'est la fin de notre programme. Si vous avez suivi tout ce reportage qui s'est bien passé, super, des super costumes de la fête médiévale de Provins. Et puis vous avez entendu le commentaire de M. le maire, M. Georges, l'organisateur animateur de la ville. Alors, tout s'est bien passé. Je vous dis à très bientôt. Allez, messieurs, à très bientôt. Bon courage à vous. Merci. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Voilà.